بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، en ce mois béni de Ramadan, on reste une petite vingtaine de minutes pour se rappeler ensemble les règles de la Umrah. Cette adoration grandiose, comme vous l'avez entendu, qu'un bon nombre de savants jugent obligatoire une fois dans la vie d'une personne. Ceci d'après des preuves qu'ils ont. J'en ai cité certaines dans la khutbah d'aujourd'hui, comme la version rapportée par l'imam Ad-Darqutni et autres du hadith de Jibril, où lorsqu'il posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anil islam, informe-moi sur l'islam, il répondit sallallahu alayhi wa sallam la réponse que vous connaissez, et il finit ici que tu accomplisses le hajj et la umrah. Le hajj et la umrah. De même que dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne va le voir et lui demanda à propos de son père qui est vieux et qui ne peut pas faire le hajj, il lui dit fais le hajj pour ton père et la umrah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres et autre que cela parmi les preuves qu'ils ont évoquées pour dire que, pour juger que la umrah est obligatoire pour chaque personne une fois dans l'année lorsque les conditions lui sont réunies ou sont réunies pour lui. Ici, ce que je veux réviser avec vous, barakallahu fikum, ce sont, comme vous l'avez entendu pendant la khutbah, les rites de la Umrah de manière générale et en particulier les contradictions et les erreurs dans lesquelles tombent beaucoup de gens. Malheureusement, ces erreurs et ces contradictions résultent bien souvent de l'ignorance, de l'absence d'étude de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avant de pratiquer une adoration. Et quelle adoration? Une adoration grandiose comme la Umrah. Vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui certaines de ses récompenses, certaines de ses mérites ou certains de ses mérites, comme par exemple sa parole sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens accomplir une umrah puis une autre est une expiation des péchés entre les deux. Ce hadith est unanimement reconnu authentique. De même que sa parole sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Tirmidhi et autres, faites alterner le hajj et la umrah car elles enlèvent la pauvreté et les péchés comme le feu purifie des impuretés du fer, de l'or et de l'argent. Et le pèlerinage pieux n'a de récompense que le paradis. Le pèlerinage pieux, al-hajj al-mabrour, comme l'ont expliqué les gens de science, est celui qui est dénué de perversion, de mauvaises paroles, et de même que ces erreurs qui viennent amoindrir la récompense du hajj, voire peut-être l'invalider. Donc il faut bien faire attention à cela, et certaines personnes, lorsqu'ils pratiquent ces adorations grandioses, le hajj et la umrah, du fait qu'ils ne savent pas les pratiquer correctement, ou ils pensent savoir les pratiquer, ou ils attendent d'être sur place et regardent les autres personnes comment ils font, ils pratiquent une adoration avec ignorance, et cette adoration, bien souvent, soit est amoindrie, ou sa récompense est amoindrie par cette cause, ou elle est caduque, elle est invalidée, elle n'est pas complète. Il faut bien faire attention à cela, ayyuhal ikhwa. Donc la umrah, comme je l'ai résumé, elle consiste en la sacralisation, al-ihram, en un point donné, qu'on appelle al-miqat. Puis, ici on parle de la umrah. On parle de la Umrah, puis la circambulation, c'est-à-dire à Tawaf, 7 tours autour de la Kaaba, puis prier 2 unités de prière après le Tawaf, puis les 7 trajets entre Safa et le Marwa, puis raser la tête ou simplement raccourcir les cheveux. Ceci est où sont les rites de la Umrah de manière générale. De manière plus spécifique, comme on l'a évoqué ici, je vais détailler simplement un peu plus en rappelant certaines erreurs. Est-ce qu'il y a des frères parmi vous qui vont partir à la Umrah avant la fin de Ramadan? Masha'Allah, Allah Mabarak. Normalement, c'est toi, Younes, qui vient nous expliquer alors. Hafidhak Allah, Allah Mabarak. Vous voyez, la Umrah, j'ai oublié de le rappeler encore une fois. Hafidhakum Allah. Comme je l'ai dit dans la khutbah, donc la récompense de la Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est une récompense immense. Et bien souvent, et moi le premier, de ce qu'on peut observer, on ne rappelle pas assez à propos de cette adoration pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire des sermons sur le début du mois de Ramadan, les règles de Ramadan, la manière de prier, les erreurs pendant le mois de Ramadan, à l'entrée des 10 derniers jours, la nuit de Al-Qadr et autres que cela. Mais on entend peu ce rappel sur la Umrah et comment pratiquer la Umrah pour tous nos frères et sœurs qui partent à la Umrah pendant le mois de Ramadan, pratiquer cette grande adoration qui a comme récompense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus des mérites que j'ai évoqués précédemment, sa parole sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens une umrah pendant Ramadan équivaut à un pèlerinage, à une hajjah. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Et dans une version,
authentique qui est rapporté par l'imam musulman aussi. Ta'dilu hajjatan ma'i. Elle équivaut à un pèlerinage avec moi, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des plus grandes adorations que tu peux pratiquer pendant ce mois de Ramadan. Donc il convient de se le rappeler, de se faire le rappel les uns les autres et d'apprendre les règles de la Umrah. Premièrement, tu commences ta Umrah par la sacralisation, l'Ihram. Souvent, les gens parlent de l'Ihram, ils appellent les vêtements que tu portes, ils disent c'est l'Ihram, je vais acheter un Ihram. Ces vêtements-là ne s'appellent pas l'Ihram. L'Ihram, c'est l'état de sacralisation dans lequel tu te trouves. Au moment où tu arrives à ce point déterminé qu'on appelle le miqat, tu mets l'intention, tu fais at-talbiya labbayk Allahumma umra, labbayk umra. À partir de là, tu es en état de sacralisation. C'est l'état dans lequel tu te trouves. C'est ça, l'ihram. Comme lorsque tu fais le wudu, tu te trouves en état de pureté. Comme cela, lorsque tu te mets en état d'ihram, tu te trouves en état de sacralisation d'ihram. Mais ce vêtement-là, c'est simplement un vêtement qu'on appelle ar-rida, qu'on porte au-dessus, un drap. Et on va revenir sur le terme de cousu ou non cousu, parce que certaines personnes ne comprennent pas bien ce terme, et c'est normal, donc il faut l'expliquer. Al-Rida et Al-Izar, ce deuxième drap que tu mets à ce niveau-là. Ce sont des vêtements qui sont portés encore dans certains pays, qui étaient portés à l'époque par les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont encore portés dans plusieurs pays. Et il n'est pas obligatoire pour toi de porter du blanc. Ceci est meilleur, de porter un Izar et un Rida blanc et propre. Mais s'il est coloré, si tu ne trouves qu'un izar coloré, il n'y a pas de mal à cela. Et ce n'est pas ça qu'on appelle l'ihram. Faites bien attention à cela, parce que ce sont des appellations légiférées. Tasmiyat, shar'iyya. Donc il faut savoir quelle appellation donner à quelle chose. C'est très important. Donc ces choses-là, on n'appelle pas ça ihram, c'est simplement un vêtement. Et c'est dans ce vêtement que tu rentres en état, toi, de sacralisation d'ihram. Donc la première chose, la sacralisation, c'est l'intention d'entamer les rites de la umrah. Et avant ceci, il est recommandé plusieurs choses. Recommandé, faire ses grandes ablutions, le ghusl, si tu le peux. Si tu as besoin, tu coupes tes ongles, tu coupes tes poils, les poils des aisselles par exemple. Et il est recommandé de parfumer son corps. Faites bien attention, parce que quand on va parler de al-mahdhurat, c'est-à-dire des interdits, actes prohibés pendant l'ihram, on va dire que ce qui est prohibé, c'est le parfum. Ici, on parle avant l'ihram. Tu n'es pas encore en état de sacralisation. Tu te mets du parfum ou sur ton corps, pas sur tes vêtements. Si tu as du parfum sur ton izar et ton rida, tu dois les laver ou les changer. Tu n'as pas le droit de faire l'umra avec du parfum sur tes vêtements, mais sur ton corps. Comme ça, tu sens bon. Au moment où tu vas faire l'umra, ceci est recommandé. Donc, tu mets du parfum sur ton corps, à l'inverse des vêtements qui ne doivent pas l'être. L'homme doit obligatoirement enlever ses vêtements cousus. On dit « al-makhit ». « Al-makhit », c'est une expression qui a été utilisée pour la première fois par Ibrahim al-Nakhai, qui fait partie de Tabi'in. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, qui a utilisé pour la première fois cette expression « al-makhit », les vêtements cousus. Mais ce qui est interdit, c'est ce qui est rapporté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « la yalbis ». Al-muhrimu as-sarawilat, kada wa kada wa kada, et il évoque les choses qui sont interdites. Et les ulama, ils ont tiré de cela le fait que ce qui est interdit, c'est un vêtement cousu. Ce qui est voulu par cousu, c'est al-mufassal al-qadri al-udwa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est cousu et détaillé, qui fait le tour du membre, d'un membre. Comme par exemple, un vêtement qui a des manches, ou un vêtement qui a des jambes. Ça, c'est ça qu'on appelle les vêtements cousus. C'est pour ça qu'on porte un rida et un izar, c'est-à-dire des draps qui te couvrent en entier. Certains disent, oui, mais il a bien été cousu celui-là. Il a été cousu. Mais ce n'est pas ce vêtement qui entoure un membre ou le corps, etc., comme un kamis, etc., etc. Donc, tu dois obligatoirement enlever tous ces vêtements cousus et le remplacer par l'izar et un rida. De même que le couvre-chef. Le couvre-chef qui colle à la tête comme cela, c'est interdit pour les hommes. À l'inverse, non. Et s'il arrive au miqat, donc les miqat sont différents en fonction de là où tu arrives. Si tu viens de Médina, il y a un miqat. Si tu viens du Yémen, il y a un miqat, Yalamlam. Si tu viens de Riyad, il y a un miqat, Qarn al-Manazil. Et généralement, les mawaqid qui sont évoqués, le hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, ils sont connus bien sûr, mais ils sont appelés d'une autre manière. Par exemple, pour ceux qui viennent de la ville de Riyad ou des pays qui sont à l'est, comme par exemple les pays du Golfe, eh bien eux, ils passent par Riyad et ils passent par le Miqat qui se trouve à Qarn al-Manazil. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle. Et aujourd'hui, il s'appelle As-Sayl al-Kabir.
Comme je l'ai dit, donc à partir de cela, tu arrives au miqat à ce moment-là. Ce miqat, faites bien attention, tu n'as pas le droit. Donc le miqat, c'est comme vous l'avez compris, c'est une place, un point donné que le professeur nous a donné pour des gens qui viennent pour faire la Umrah ou le Hajj de différentes contrées. Tu n'as pas le droit de dépasser ce miqat sans être en état de sacralisation si tu veux faire la Umrah. Si tu ne veux pas faire la Umrah, par exemple, tu as besoin de dépasser le miqat pour aller dans une autre ville et après tu reviens vers Mecca ou etc. Ça, c'est autre chose. Là, on parle de quelqu'un qui veut faire la Umrah. Il désire faire la Umrah. Il est parti pour faire la Umrah. Il n'a pas le droit de dépasser le miqat du moment qu'il n'est pas en état de sacralisation. Et parmi ces choses-là, le fait de faire donc de mettre cette intention de sacralisation et de prononcer cette formule, labbaïk Allahumma Umrah ou labbaïk Umrah. Si tu le dépasses, comme ça arrive à beaucoup de frères malheureusement, parce que parfois tu montes dans une voiture, par exemple à Al-Médina, juste des voitures comme des taxis comme ça qui vont jusqu'à Mecca ou qui vont jusqu'à Jeddah. Et ces voitures-là, elles prennent n'importe qui, pas forcément des pèlerins ou des mu'tamirines. Donc elles prennent n'importe qui, des gens qui ne font, donc ils ne font pas forcément attention à ça. Et tu peux lui dire, préviens-moi quand on passe à côté du miqat, et lui il oublie. C'est à toi de faire attention. Si ça t'arrive comme ça arrive à beaucoup de frères, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas prononcer, de ne pas mettre l'intention de la Umrah et de ne pas prononcer labbaïk Allahumma Umrah, mais plutôt de revenir jusqu'à le miqat et à partir de là, de revenir jusqu'à le miqat et de prononcer l'intention à ce moment-là et de rentrer après le miqat et de partir à la Umrah. Si tu as prononcé, comme beaucoup de frères le font, faites attention, c'est quelque chose de, je ne veux pas dire que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de récurrent, ça arrive à beaucoup de frères. Il ne faut pas t'affoler, il ne faut pas paniquer si tu as prononcé labbaïk Allahumma, parce que tu dis, on a déjà dépassé, c'est derrière moi, labbaïk Allahumma. Mais tu as prononcé après avoir dépassé le miqat, tu as fait une erreur. Ici, tu as fait une erreur. Qu'est-ce que tu te dois? Tu te dois de donner ce qu'on appelle un dam, un sang, c'est-à-dire de sacrifier une bête, d'immoler une bête, et que cette bête, la viande de cette bête, soit distribuée aux pauvres de Mecca. Faites bien attention à cela, beaucoup de gens ne le savent pas, et ils reviennent de la Umrah, ils avaient un dam à donner. Ils ne l'ont pas donné. Ils ont dépassé le miqat sans avoir fait talbiya et autre que cela. Faites bien attention à cela. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas paniquer. Ah, on a dépassé le miqat. Tu demandes à la voiture de t'arrêter. Tu prends le taxi. Tu reviens jusqu'à le miqat et tu termines ton trajet. Et tu n'as rien à donner. Pas d'immolation à faire. Donc à ce moment-là, tu ne dois pas dépasser le miqat sans avoir mis cette intention. Il t'est autorisé. Il t'est autorisé de mettre l'intention et de faire la talbiya avant le miqat. Et il est meilleur de le faire à l'miqat, arrive à l'miqat. Mais il t'est autorisé de le faire avant, même une heure avant. Encore une fois, la sacralisation, ce n'est pas de porter le izar ou le rida. Quand tu montes dans l'avion en France pour partir à la Umrah et que tu montes avec les vêtements, parce que tu vas arriver par exemple directement à Jeddah ou tu as, etc., eh bien, à ce moment-là, tu n'es pas en état de sacralisation encore. Sauf si tu as prononcé la baik Allah Umrah et tu as pris cette intention. Faites attention à cela. Certaines personnes pensent qu'à partir du moment où il a porté ça, il en est à sacralisation. Donc c'est la talbiya et la niya de rentrer dans les rites, ce n'est pas important au moment d'arriver au miqat. Donc, il arrive au miqat, il dit donc labbaïk Allahumma ou labbaïk Umrah ou labbaïk Allahumma Umrah. Il récite ensuite abondamment la formule de talbiya. Labbaïk Allahumma labbaïk, labbaïk la sharika laka labbaïk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Faites attention, ceci, cette talbiya, est à prononcer abondamment. Pas s'occuper de parler avec tes amis, etc., rigoler, etc. Prononcer abondamment jusqu'à arriver à Al-Ka'aba, à Al-Masjid al-Haram. C'est à prononcer abondamment. Et il y a dans cela la glorification d'Allah Azza wa Jal et la proclamation du tawhid d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika laka labbaik. Puis, il faut ressentir cette chose-là quand tu prononces cette talbiya. Ce n'est pas simplement une formule qui est sur ta langue et que tu répètes d'une manière mélodieuse comme le font beaucoup de personnes. Ceci ne fait pas partie de la sunna. Labbaik Allahumma labbaik. Jusqu'à ce que tu es presque entraîné par cette mélodie. Cette mélodie ne fait pas partie de la sunna. Et tu ne prononces pas cette talbiya en même temps que les autres. Chacun de son côté. Si ta voix vient concorder avec la voix de la personne qui est à côté de toi ou devant toi, il n'y a pas de mal, mais tu ne dois pas. Vous êtes un groupe et vous la dites tous en même temps. Comme ils le font, faites bien attention à cela. Ces personnes-là qui partent à la Umrah avec des agences et qui s'appellent par exemple Al-Mutawif.
ou le guide ou le mutawif qui s'occupe de tout, qui répète et font, qui fait répéter les gens. Non, si quelqu'un il veut faire répéter des vieilles personnes qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas apprendre toutes seules, il leur dit et il le répète de leur côté, il n'y a pas de mal. Mais de la manière dont vous avez pu le voir sûrement dans le tawaf, il crie comme ça, ou sur la route, labbaik, Allahumma labbaik, et tout le monde répète comme ça, tout le monde en cœur. Ceci ne fait pas partie de la sunna. Chacun répète de son côté, sans mélodie. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika lak, labbaik. À l'inverse des femmes qui, elles, les femmes, ne le répètent pas à haute voix. Il devra ensuite s'écarter des mahdourat, donc des actes prohibés. Je vais passer dessus rapidement, mais faites bien attention à cela car les actes prohibés sont. Il y a certaines divergences par rapport à certains d'entre eux, mais de manière générale, on a évoqué comme le fait de tuer un gibier. Tuer un gibier, ça peut arriver, on se dit, je ne vais pas là-bas pour chasser, mais par exemple, si tu jettes une pierre, par exemple, et tu tues, par exemple, un pigeon. Pigeon, c'est un gibier, c'est quelque chose qu'on peut manger, etc. Ces choses-là, c'est quelque chose qui est interdit. Tu n'as pas le droit de faire cela. De même que les rapports intimes, si tu pars avec ton épouse. Comme, par exemple, une personne peut se poser la question, comment des rapports intimes alors que je pars pour la Omra? Non, tu pars pour la Omra et tu as décidé, peut-être parce que tu es trop fatigué, parce que le temps ne le permet pas, etc., d'aller te reposer à l'hôtel. Tu pars avec ton épouse, tu vas te reposer à l'hôtel. Avant de partir faire la Omra, il est possible que tu aies des rapports intimes avec elle. Eh bien, ceci fait partie des interdits de la sacralisation. Tu n'as pas le droit. À ce moment-là, tu dois t'écarter des rapports intimes. La coupe des cheveux. Les cheveux, tu les as coupés avant l'Ihram. Et tu les couperas pour te. C'est-à-dire, tu as coupé ce que tu avais besoin de couper avant l'Ihram. Et tu vas les couper ou les raser à la fin. La coupe des cheveux est interdite. Les poils, les ongles, le parfum, toutes ces choses-là font partie des actes prohibés en état de sacralisation. De même que de porter des vêtements taillés, détaillant le corps, donc le mahrit, comme je l'expliquais précédemment. Couvre-chef pour un homme. Et la femme, elle porte ce qu'elle veut comme vêtements, sauf deux choses qui ont été interdites par le prophète, les gants et un niqab. Les gants et un niqab. Par contre, elle voile son visage en passant devant des étrangers avec un tissu et non avec un niqab. Puis, lorsque la personne arrive à Mecca, il est meilleur pour lui qu'il commence par la Omra. Ceci est meilleur pour lui. Mais s'il ne commence pas par la Omra, il va se reposer à l'hôtel, il n'y a pas de mal. Il commence donc par At-Tawaf, la circumambulation. Et il lui est recommandé pendant le Tawaf deux choses. C'est-à-dire que la Sunna pendant le Tawaf, il y a deux semaines de Tawaf. Avant de. Comme je l'ai dit au moment où tu arrives à Al-Miqat, une chose qui est connue chez les gens, c'est qu'il y a une Sunna de deux rak'at Al-Miqat. Ceci n'existe pas. Il n'y a pas une chose qu'on appelle sunnat al-ihram. Deux rak'at au moment de l'ihram, ceci n'existe pas. Si tu veux prier une prière surérogatoire, tu es libre. Si tu n'es pas dans les moments d'interdiction de la journée, tu vas prier une prière surérogatoire, tu es libre. Mais ce n'est cette prière que tu vas prier deux rak'at, quatre rak'at, six rak'at, comme tu veux. Mais cette prière ne s'appelle pas sunnat al-ihram. L'ihram n'a pas de sunnah. Si tu arrives au moment de la prière obligatoire, tu pries avec les gens. Si tu arrives en dehors d'une prière obligatoire, tu peux partir sans prier à la mosquée qu'il y a à l'Miqat. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de sunnah en relation avec l'Ihram, chose qui est méconnue de beaucoup de personnes qui pensent réellement qu'il y a une sunnah de l'Ihram et qu'il faut absolument aller faire la sunnah de l'Ihram. Faites attention. Le tawaf, il est recommandé deux choses, deux sunnahs de tawaf. La première, elle est le tibar. Eh bien, attention, le tibar, je l'ai dit, qu'est-ce que c'est que le tibar? Je l'ai dit pendant la khutbah. Qui se rappelle le tibar? Le tibar, c'est le fait de prendre Arida. Le rida, donc ce vêtement que tu portes en haut, tu le portes comme cela. Al-tibar, c'est que tu découvres l'épaule droite, tu fasses passer donc le rida en dessous, donc ton rida devient comme cela, en bande, et tu découvres cette épaule droite. Ceci fait partie, est une des sunnahs de At-Tawaf, uniquement pendant le Tawaf. On peut voir des gens qui, à Médine, à Mecca, tout le temps, ils restent comme cela. Ceci est une erreur. À la base, le fait de t'habiller comme ça, ce n'est pas interdit. Sauf qu'au moment où tu rentres dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier sans avoir sur l'un de ses deux épaules un vêtement. Donc au moment où ces gens-là restent tout le temps de cette manière-là, avec donc de cette manière, al-tibar, ils contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur prière. Donc cette sunna de al-tibar est uniquement une sunna du tawaf. Une sunna du tawaf, pardon. Est uniquement une sunna du tawaf. Puis la deuxième sunna, ar-raml. Ar-raml, c'est le fait de marcher rapidement à pas serrer. Pas courir, mais marcher rapidement à pas serrer pendant les trois premiers tours uniquement. Trois premiers tours, tu marches à pas serrer. Ce qu'on appelle ar-raml.
Si tu ne peux pas le faire parce que il y a trop de monde, tu ne le fais pas. C'est une excuse. Et si tu peux le faire, il faut essayer de le faire. Comment tu commences ton tawaf? Tu commences ton tawaf par la pierre noire. Ce que je conseille aux frères qui ne sont jamais partis, c'est de regarder dans des livres où il y a des photos de la pierre noire ou de regarder sur internet qu'est-ce que la pierre noire. On voit en photo parce que plusieurs frères, même parmi des étudiants en sciences, qui n'ont jamais voyagé là-bas, ne savent pas ce qu'est la pierre noire et pensent, comme certains m'ont informé il y a peu de temps, des frères parmi des étudiants en sciences, mais qui pensaient que la pierre noire, c'était au niveau de la porte. Quelque chose qui était accroché à la porte. Non, la pierre noire, elle est dans un coin. On a le coin yéménite et le coin qui vient après, c'est le coin de la pierre noire. Et juste après se trouve le maqam d'Ibrahim et la porte de la Kaaba. Cette pierre noire, c'est là où commence At-Tawaf, c'est-à-dire tes sept circonvolutions doivent commencer ici. Tu commences là. Et si tu regardes, donc, elles seront à ta gauche, la pierre noire sera à ta gauche. À ta droite, tu as une lumière verte. Regarde bien la lumière verte qui délimite l'endroit où se trouve la pierre noire, parce qu'avec tout le monde, généralement, les gens ne la voient pas parce qu'elle est en bas. Donc tu ne la vois pas. Donc tu regardes bien à droite la lumière verte. Au moment où tu arrives là, si tu peux t'approcher de la pierre noire pour l'embrasser, tu le fais. Si tu ne peux pas l'embrasser, tu la touches et tu embrasses, tu le fais. Sinon, tu pointeras de la main en disant Allahu Akbar. Et tu n'embrasses pas ta main après l'avoir pointée. Beaucoup de gens font, ou les gens ils vont 10 fois comme ça. Non, une seule fois. Une seule fois. Tu la pointes et tu dis Allahu Akbar. Et il est meilleur pour toi, comme le disent les savants, il est meilleur pour toi quand il y a trop de monde et que tu sais que si tu rentres pour aller toucher la pierre noire, tu vas te bousculer avec les gens, bousculer des femmes, etc. Il est meilleur pour toi de te mettre à l'écart de la pointe et de la main. Ceci est meilleur. Et dans ceci, il y a une croyance, ayyuhal ikhwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé la pierre noire. C'est pour cela que nous l'embrassons. C'est pour cela que nous l'embrassons. Mais sinon, comme l'a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, l'un des meilleurs de cette communauté, radiallahu anhu, sahabati ajma'in, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne fais, dans le sens de ces paroles, que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni nuire, ni rapporter un bien. Et si je n'avais pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Allahu Akbar. Il y a une croyance dans cela, ayyuhal ikhwa. Faites bien attention. Certaines personnes veulent à tout prix. Ils partent en aventure. Ils bousculent les gens. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. C'est-à-dire, il y a des gens qui rentrent dans cette bousculade-là. Ils en ressortent, ils sont essoufflés, ils sont prêts à mourir. Il y en a qui tombent par terre. Toi, tu es prêt à te bousculer, à partir en aventure comme ça pour embrasser la pierre noire. Il y a une aqidah, wallah, ayyuhal ikhwa. Si tu ne peux pas le faire, tu le montres de la main. Ce n'est qu'une pierre. Elle ne te fait ni un bien, ni un mal. Et nous ne l'embrassons que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et ceci est l'ittiba', le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu commences par la pierre noire, tu la pointes et tu dis Allahu Akbar et tu commences ton tawaf. Pendant le tawaf, 7 fois, pardon, tu fais 7 tours de tawaf. Donc tu commences à la pierre noire et tu termines à la pierre noire. Il n'y a pas de dua précise, comme des petits livres que certaines personnes peuvent distribuer, les du'as du tawaf, etc. Non, tu fais du'a comme ce qu'Allah Azzawajal t'a permis de faire, selon des du'as, tu privilégies les du'as rapportés de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes sortes de du'as rapportés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les du'as légiférés. Soit tu demandes ce que tu veux du bien de ce bas monde et de l'au-delà, pendant ton tawaf. Hormis, entre le coin yéménite et la pierre noire. Le coin yéménite, c'est le coin de la Kaaba qui est juste avant le point où il y a la pierre noire. Quand tu arrives à ce coin yéménite, tu commences à dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Tu répètes cette invocation, ce dua Qur'ani, ce dua qui est venu dans le Coran jusqu'à arriver à la pierre noire, juste dans ce coin, entre le coin yéménite et la pierre noire. Et il t'est légiféré de toucher le coin yéménite, pas de l'embrasser, de le toucher si tu es proche du coin yéménite. Si tu n'es pas proche, ni tu le montes de la main, ni du doigt, ni tu embrasses, ni ces choses-là, c'est des choses que vous allez voir. Si quelqu'un n'a pas appris ces règles-là et qu'il pense qu'il va partir là-bas, il va faire comme les gens, il va suivre le mouvement. Il va faire n'importe quoi. Ces choses-là, vous allez le voir. Des gens, du coin yéménite jusqu'à la pierre noire et après, il ne fait que ça. Que ça. Donc, vraiment, apprenez votre religion, ayyuhal ikhwa, c'est très important. Il est obligatoire donc de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Après, une fois que tu as fini le tawaf, tu vas prier 2 rak'at. Ces 2 rak'at doivent être priées. N'importe où, dans la mosquée. La meilleure chose à faire et la sunna, c'est de la prier derrière le maqam de Ibrahim. Le maqam de Ibrahim, vous le trouvez, donc vous l'avez sûrement vu, comme une espèce de cloche, de loge dorée,
avec à l'intérieur les empreintes de pas de Ibrahim alayhi salam. Elle se trouve devant la Kaaba, du côté de la porte. Si tu peux prier derrière, c'est-à-dire tu pries derrière le maqam d'Ibrahim, tu as le maqam d'Ibrahim devant toi et derrière lui la Kaaba. Si tu peux prier tes deux rak'at ici, en récitant dans la première rak'a, El-Kafiroun, dans la deuxième rak'a, El-Ikhlas, tu le fais. Si tu ne peux pas parce qu'il y a trop de monde, et bien souvent il y a beaucoup trop de monde, tu ne cherches pas à y aller. Tu ne cherches pas à bousculer les gens, à nuire aux gens et à te nuire à toi-même. Tu vas dans n'importe quel endroit où tu pourras prier correctement sans que personne passe devant toi. Tu pourras faire une prière correcte et tu pries. Ensuite, une fois que tu as fait cela, tu te diriges vers le Mas'a, entre Safa et le Marwa. Et le Mas'a, tu commenceras par quel mot? Hein? Safa. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam muslim, a commencé par Safa. Il s'est dirigé vers Safa, le mont Safa, et il a récité la parole d'Allah Azzawajal, Inna Safa wal Marwa ta min sha'a'irillah. Donc, dans la traduction approximative, As-Safa et le Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Puis il dit, Abda'u bima bada Allahu bih. Je commence par ce qu'Allah a commencé. Allah a commencé par As-Safa dans le verset. Donc, je commence moi par ce qu'Allah Azzawajal a commencé, donc par Safa. Donc, tu diras le verset en te dirigeant vers Safa, et tu diras comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abda'u bima bada Allahu bih. Puis tu arrives devant Safa. À l'époque, bien sûr, il montait dessus. Aujourd'hui, tu verras que Safa ressemble plus à une grosse pierre, un gros rocher qui est entouré d'une vitre. Donc tu te mets juste devant la vitre, tu ne cherches pas à toucher, à embrasser, tout ça n'existe pas malgré que les gens le font, tu ne cherches pas ces choses-là. Tu vas devant la vitre, tu te diriges en direction de la Kaaba, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait, lui il était monté sur le Safa, il s'est dirigé en direction de la Kaaba et il a dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah. Ce dua, tu le répètes une fois. Ensuite, tu fais le dua, tu lèves tes mains en direction de la Kaaba, tu fais le dua, tu demandes ce que tu veux à Allah tabaraka wa ta'ala, des biens de ce bas monde et de l'akhira. Une fois que tu as terminé, tu recommences le dua que je viens d'évoquer. Tu relèves les mains, tu refais le dua. Une fois que tu as terminé, tu refais ce dua que j'ai évoqué. Tu relèves les mains, tu refais le dua. Tu fais ça à chaque fois par trois fois. Et tu pars en direction de Al-Marwa. Al-Marwa, quand tu arrives à Al-Marwa, tu fais la même chose. Quand tu reviens à Safa, tu refais la même chose. Quand tu reviens à Al-Marwa, tu refais la même chose. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est-à-dire, quand il arrive, il disait le dua, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ila akhir al-dua. Puis il levait les mains, ila akhir al-dhikr. Puis il levait les mains, il faisait une invocation, puis il baissait les mains. Et je vous le rappelle ici, essuyer son visage après avoir lavé les mains, ceci n'est pas légiféré, ne fait pas partie de la sunna. On ne suit pas son visage après avoir fait de l'air. Ceci n'existe pas dans la sunna. Lève tes mains et tu les baisses. Après avoir fait cela, tu répètes le zikr une deuxième fois, tu refais de l'air une deuxième fois, tu baisses les mains, tu répètes le zikr une troisième fois, tu lèves les mains, tu fais de l'air une troisième fois, et tu repars dans l'autre direction. À chaque fois, à chaque aller et retour, tu fais la même chose, devant chaque mont, Safa ou Marwa, jusqu'à terminer ton sa'i. Pendant le sa'i, tu fais du'a, il n'y a pas de du'a précise à répéter, tu fais du'a comme Allah Azza wa Jalla te permet de le faire, et tu privilégies les du'a qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à ce qu'on appelle la lumière verte, tu verras au plafond, il y a une lumière verte. Dès que tu commences à la lumière verte, il t'est légiféré de courir. De courir, pas de trottiner, de courir, tu cours. Tu cours pas non plus... Tu fais attention aux gens qui sont autour de toi, etc. Mais tu cours jusqu'à la fin de la lumière verte. Et ceci à chaque aller-retour. Et de Safa à Marwa, ceci est un aller. De Marwa à Safa, un deuxième aller. À chaque fois, tu comptes un aller. Tu dois en faire sept. Après cela, tu sors et tu te coupes les cheveux. Tu te rases la tête, ceci est meilleur. Ou tu te coupes les cheveux. Soit tu le fais à la maison, à l'hôtel. Tu prends un rasoir avec toi. Tu le fais toi-même. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas obligé d'aller voir un coiffeur. Certaines personnes pensent que c'est obligatoire, ça fait partie des rites du pèlerinage, je dois aller voir un coiffeur. Non, tu le fais toi-même. Mais si ceci est plus facile, tu vas voir un coiffeur. Faites attention, il y a beaucoup de gens, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, qui s'attendent à la sortie, avec des petits ciseaux comme ça, et qui prennent deux, trois mèches comme ça de toi, une mèche là, une mèche là, une mèche là, et te disent Yallah Rouh. Ça, c'est pas comme ça que tu. Et faites attention, le rasage des cheveux, la coupe des cheveux, c'est de cette manière-là que. Tatahallal, c'est-à-dire que tu sors de la sacralisation. Une personne qui n'est pas sortie de la sacralisation, qu'en est-il de lui?
il est toujours en état de sacralisation, donc il est toujours sujet à, aux interdictions de la sacralisation. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas désacralisé. Il a juste fait comme ils font n'importe comment. On coupe là, et je pars à. Je commence à enlever mes vêtements, je fais la douche, je prends d'autres vêtements, j'ai des rapports intimes avec mon épouse, etc. Mais tu es encore en état de sacralisation, tu ne t'es pas désacralisé, selon l'avis de beaucoup de savants. Donc faites bien attention à cela. Soit tu coupes tes cheveux, ou tu rases, ou tu raccourcis. Par exemple, tu prends une tondeuse, ou tu dis au coiffeur de mettre la tondeuse à un sabot, pour telle et telle raison, et tu raccourcis l'ensemble de ta tête. Pas des petites parties par-ci par-là, c'est très important. Voilà pour l'autre. Et ici, pour ce que j'ai évoqué, la plupart des choses qui étaient importantes de rappeler au niveau des erreurs qui peuvent être faites au niveau de la Omra. Une dernière chose, juste une chose qui est très très triste. Il t'est légiféré lorsque que tu as fait ta Omra par exemple et que tu n'es pas passé par Médine. Il t'est légiféré d'aller à Médine. T'es légiféré d'aller où? Qu'est-ce qu'il t'est légiféré de faire? De visiter. Hein? Il t'est légiféré une visite. Quelle visite? Hein? De la mosquée? Hein? La visite de. Hein? Ahsanto. Regardez. Ceci est très important, faites bien attention. Parmi les choses qui étaient légiférées de faire, comme le faisaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de partir visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites attention à la nuance qu'il y a ici. Les visites des tombes, que ce soit celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'un autre des prophètes, des pieux, de n'importe quelle personne, le fait de voyager pour aller visiter une tombe, ceci n'est pas permis, ne fait pas partie de notre religion. Ceci n'est pas permis et ne fait pas partie de notre religion. Plutôt comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. On ne fait pas de voyage en dehors de trois mosquées. Et il évoqua al-Masjid al-Haram, wa Masjid hada, donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Masjid al-Aqsa. Ce sont les trois mosquées qu'il est légiféré de voyager pour rechercher un bien auprès de cette mosquée. Comme le fait que les prières sont multipliées dans ces mosquées. Au moment où tu voyages vers cette mosquée, donc ce qui était légiféré ici quand tu es à Mecca et tu n'es pas passé par Médine, c'est de voyager vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ta niya soit de voyager vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers sa tombe. Ceci est très important. Car la visite des tombes, voyager pour visiter les tombes, ceci ne fait pas partie de la sunna. Plutôt, ceci, dans certains cas, comme on l'a expliqué dans beaucoup de cours, peut être une innovation ou du shirk mineur ou majeur, en fonction de la croyance de la personne. Donc faites bien attention. Et ceci, même si c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était un homme. Et cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, si grand soit-il, est mort aujourd'hui, est décédé. Sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, lorsque tu arrives à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était légiféré de faire, et ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs, les compagnons, ceux qui les ont suivis dans le bien, c'est de passer le salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les termes qu'on emploie, ce sont des termes légiférés. Il faut bien faire attention. On ne dit pas visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit visiter sa mosquée et lui passer le salam une fois qu'on arrive dans sa mosquée. À ce moment-là, tu vas. Et Saoudiya, jazakumullahu khaira. Aujourd'hui, faites attention ceux qui veulent partir. Il faut prendre un programme qui s'appelle Nusuk. Tu dois le télécharger, tu dois réserver le temps où tu vas faire ta Umrah, à peu près, le temps où tu vas faire ta Umrah. C'est-à-dire que même si tu dépasses un petit peu, il est possible qu'il t'empêche, parce que c'est pour limiter les afflux de gens qui rentrent, qui sortent pour la Umrah, de même que pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour la prière, ils ont mis ça pour la Umrah et pour la prière dans Ar-Rawda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il connaît le hadith sur Ar-Rawda? C'est le jardin du paradis. Entre quoi et quoi? Le minbar et la chambre. C'est au niveau du dos. Entre le minbar et la chambre de Aïcha. Il n'a pas dit entre le minbar et ma tombe. Chose que certaines personnes inventent. Ils inventent ce hadith et ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre le minbar et ma tombe se trouve un jardin parmi les jardins du paradis. Ceci est un hadith inventé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça. Entre le minbar et
le Hujra, un jardin parmi les jardins du paradis. Donc il est légiféré de prier à cet endroit-là. Et Saoudia, jazakumullahu khaira, pour limiter l'afflux de personnes et pour que ce soit plus facile pour tout le monde, ils ont mis en place le fait de réserver un temps pour aller prier. À ce moment-là, tu viens, tu montes ton téléphone comme quoi tu as réservé, ils te laissent rentrer et il y a de la place et on peut prier. C'est mieux que de la bousculade et autre que cela. Il y a un temps pour les femmes et un temps pour les hommes. Jazakumullahu khaira. Donc ceci est très important. Vous regardez si vous voulez aller prier là-bas. Maintenant, pour aller passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de temps. Mais malheureusement, ceci est très triste. Les gens font n'importe quoi. Et ceci est une croyance chez eux. Quand tu passes pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons qui sont enterrés à côté de lui, Abu Bakr et Omar, pour les saluer, tu passes devant Al-Hujra et tu dis Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Siddiq, Assalamu alayka ya Abu Hafs. Et tu t'en vas. Tu as besoin de pas plus de 5 minutes pour passer et partir. Tu es obligé de rester une heure et demie. Pourquoi? Parce que les gens s'arrêtent. Film, bien sûr, ça c'est une grande fitna aujourd'hui. Ils filment tout, par terre, en l'air, tout, dans tous les sens. Ils filment n'importe quoi. Ils filment même des choses, ils ne savent pas ce qu'ils filment. Ils filment le minbar du professeur. Mais le minbar est dans la mosquée. Si tu veux le filmer, tu n'as même pas besoin de venir ici. Mais ils sont là, ils filment, ils pensent que c'est là, ils croient que c'est là. Après, arriver devant la... l'appartement du professeur Salam ou l'appartement de Aïcha, ils touchent, ils essayent d'embrasser, etc. Alhamdulillah, Ad-Dawlatu Saoudia, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, ils ont mis des gardes et des prêcheurs pour les empêcher et les exhorter de ne pas faire cela. Voilà ce que tu as légiféré. Faites bien attention à ces petites erreurs parfois et parfois certaines plus grandes que d'autres. Faites bien attention à cela. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.